Chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est fini pour toi. C'est toi, Tommy? Ouais. Et t'as encore du jeu. Bosse, t'attends. Chope-le à nouveau. Merci. Donna Miretta, arrenditi. Combatterai un'altra volta. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hey, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible, là-bas. Bonne posture, mon gars. Allez, clic, 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 bang. On refait les murs rouges sang. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci Vincenzo, c'est très gentil. Hey, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours furax pour les bagnoles de l'autre fois. Bah, ça va, il n'est pas à quelques caisses près quand même. Le type a au moins 5 garages de ce côté de la ville. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu... Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Al est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. Thank you.
On arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok. Tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te charge d'époux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon? Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti, ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu... Où est le fric? Infame, fais-toi aussi. Voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Ouais, c'était un vrai plaisir de vous croiser, les gars. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne, le magasin de porcelaine sur Talo. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène, il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène, donc on l'appelle Eugène. Polly lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi... 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. And the latest deals, stay with Behringer's Radio. Does he pay more attention to women on the street than to you? When was the last time he paid you a compliment? Make sure that he only has eyes for one woman with a visit to Behringer's Cosmetics Department. This is the Behringer's Music Hour on WBDS.
Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Je les aime bien. J'aime bien leur manière de s'agiter. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu d'Eugène aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Alors voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu d'Eugène paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et cette boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques taches? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom? Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? On sait rien, ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour le... Ah, toi, tu vas être copain avec Ralphie. C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger, d'ailleurs. Du rhum? Jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Polly, t'aimes pas le grand air de la campagne? Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnôles. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Polly déteste. Si je peux aider... Pas trop tôt.
Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom ! Tommy, j'en ai pris une ! Putain de merde, folie ! Tu diras à Salirik ici, c'est chez nous maintenant, capiche ? Et t'avise pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam, ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra ! Va aider Sam, vite ! Ok. Ok, mais tiens bon. On essayait par là-bas. C'est quoi ça? Ah, quelle journée. Je vais chercher. Ah, parce que c'est pas la guerre, ça. Sam! Oh putain, ils t'ont pas raté, ces salauds! T'en fais pas, ça va aller! T'as un dur à cuire, toi! Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré! Il est à l'intérieur, ça va. Alors on va chercher l'argent!
Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon.